c'est la 22e édition et on lance vraiment ce soir les hostilités, on va dire, au sens positif du terme, pour que toute cette organisation se déroule. Et voilà, une grosse ambiance quand même en perspective pour ces 3 jours, quoi. Je pense que les gens ils viennent chercher peut-être une ambiance qu'on ne voit pas ailleurs. On reste aussi sur un peu un soleil en hiver, alors on voit le temps est magnifique. Et c'est un moment aussi qu'il y a plein de festivals en été et on essaye aussi d'avoir un événement en hiver. Le terreau, c'est des amateurs et des professionnels qui viennent, et à la fois de la musique du monde, de la musique bretonne, voilà, tout le monde peut trouver son compte. Du Révaroc, c'est vraiment la musique bretonne actuelle. Et donc moi j'essaie de choisir des groupes qui font évoluer la musique bretonne, qui la rendent écoutable, on va dire, par des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas le fest-noz. Vraiment le but, c'est de faire venir des gens, des jeunes par exemple, au fest-noz, et qu'ils écoutent de la musique bretonne et qu'ils disent « Oh, c'est ça la musique bretonne, c'est pas juste du biniou et quelque chose de folklorique, c'est vraiment quelque chose d'actuel. »
ce qui est dur dans la programmation, c'est de varier, de pas tout le temps tomber dans la même musique, par exemple pas que de la musique africaine ou pas que de la musique latino. Alors c'est compliqué parce qu'en fait un des points forts du festival, c'est vraiment la soirée du samedi soir qui est très dansante. Et du coup, les musiques du monde qui font danser, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment, on tombe souvent sur de la musique africaine, de la musique antillaise ou de la musique latino. Et donc on tourne vite en rond, mais on arrive quand même à changer d'édition en édition. Cette année, c'est vrai que c'est très axé sur la musique africaine, parce que j'avais deux gros coups de cœur sur la musique africaine, ce qui était Bonga et Jupiter et Oquest. On était colonisé en Afrique, et voilà, bon, et après, on a eu l'indépendance. Bon, et après, on a défendu nos choses à nous, tu vois. Ouais. Et quand je vois les Bretons, là, tu vois, avec ses chansons, avec sa manière d'être, tu vois, la bouffe même, des choses spécifiques d'ici, tu vois, c'est, comme c'est pas la première fois, j'ai l'habitude. Et de toute façon, j'ai des copains. Hein, dans le temps, Breton qui était là, vive la Bretagne. Oh, on chantait ça, on buvait des verres, etc. Non, c'est bon. Ils sont fiers. J'aime les gens fiers. Fiers de quelque chose qui est là, tu vois, qui tient à cœur. Non, non, ça c'est les Bretons, ça. Tu reviendras ? Appelle-moi, je reviendrai. Yeah ! Hey, compadre ! Mena kano mwemo kubata kwa mushima mena kano kubata mulemba shagola ayiwe mulemba shagola mulemba shagola. Je pense qu'on a un certain métier et une culture d'accueil aussi au Rémaroc et on a voulu envoyer déjà un message avant à Jupiter et Oquest en les accueillant. Et c'était l'idée de Justine du Cercle de Vannes de faire une chorégraphie sur leur danse Ofa Kombolo. Et du coup, on s'est retrouvés un samedi après-midi avec une centaine de bénévoles pour faire la danse. Bon, il faut être honnête, pour certains, c'était un peu ridicule, pour moi le premier. Mais voilà, c'était aussi leur envoyer un message en disant, bah voilà, on vous attend avec impatience. Quoi.
I won't play the fiddle chop. Ce qui nous a motivés à venir, je crois que c'était plutôt l'esprit du festival. Et ça correspond à notre esprit. Et on nous a invités de venir jouer ici. Nous sommes toujours dans les traces de la source. Quoi. Nous essayons toujours d'exploiter ce qui est la source. C'est-à-dire, nous exploitons sur la musique traditionnelle et nous la donnons une dimension internationale. Et je sais bien que l'esprit du festival, c'est aussi le folklore, c'est quoi là, breton. Le public ce soir, ils étaient très très chaleureux. C'est comme d'habitude, les Bretons sont chaleureux. Là, c'est... Ah ben, les Bretons, c'est un peuple monde à part. Quoi. Moi, je dis, ils sont monde à part. Le roi organisa une grande fête de son mariage. Et il invita presque toutes les tribus. Il y a à boire, à manger, les gars. Et surtout de l'eau quest, quoi. Eh ben moi, je n'ai rien à foutre. Rien à foutre. Je viens ici pour apprendre la langue bretonne. J'ai découvert le Fest-Noz quand je suis venu à Angers pour faire mon étude de français. Et là, j'ai découvert le Fest-Noz. Je suis tombé amoureux de cette culture. C'est ma 12e année. La dernière fois, je suis venu avec ma mère et avec ma copine. Parce que ma mère, elle est venue me voir en France. Et puis, j'ai trouvé que le meilleur endroit où l'amener, c'était ici. Donc, c'est vraiment loin de notre culture. Au Japon, on danse. Mais on ne se touche pas, on danse mais on est loin. Mais par contre ici, quand on danse, on est comme ça quoi, côte à côte. Et on est vraiment proche, on danse ensemble. Quand je danse une gavotte, ce n'est pas moi qui danse, c'est les gens à côté qui me soutiennent. Donc c'est vraiment loin de ma culture. Mais moi, je rêve que ça existe au Japon. Le Rueva Rock 2017 n'était à peine terminé que notre président, Jean Lauric, avait déjà une idée derrière la tête. Pourquoi ne pas faire se rencontrer Yann Fanch-Kemener et des enfants des écoles bilingues du secteur ? Les enfants, aujourd'hui, vont vous présenter trois comptines et cinq chansons qui sont issues donc, du répertoire de Yann Fanch-Kemener. Thank you.
Amant Emma Erpradik, Azo Bepuret Gandhadi. Iman Elwish, Jelet. Iman Elwish, Jelet. Iman Elwish, Zabet. Iman Elwish, Jelet. Agulani Lionia, Nelwish, Jelet. Et c'est la première fois en Bretagne qu'on crée cet événement-là où tout le monde, tous ces enfants se retrouvent ensemble. Et on va dire qu'on n'a pas fait de ségrégation, aussi bien d'Iune, d'Iviese et d'Iwan. Peu de bénéfices qu'on fait servent à faire de des animations dans les écoles pour faire la découverte de la culture bretonne. On défend vraiment le côté que, quand en ce moment on parle beaucoup d'immigration, qu'est-ce que c'est d'être français, mais peut-être avant d'être français, on pourrait peut-être d'abord se sentir breton. Mes mains sur Podic. Pessar Podic. Podic Pri. Pessar Pri. Pri Menen. Pessar Melen. Melen U. Pessar U. Uar Yarik. Pessar Yarik. Uar Yarik Ven en Tupenit Kalarni Ven Chemen Atour Ostren. Mes mesures Podic. Pessar Podic. Pessar Podic. Uar Podic Pri. Pessar Pri. Pri Melen. Pessar Melen. Melen U. Rencontrer les gens, rencontrer ce qui se fait musicalement aussi sur un territoire qui est autour de Plescop. Il y a toujours eu énormément d'importance donnée à l'apprentissage de la musique traditionnelle et on le ressent pendant ces 3 jours. Ben, c'est un public qui est assez curieux de découvrir des choses différentes de ce qui se passe déjà actuellement autour de la matière bretonne, autour de la matière de la musique bretonne. On vient chaque année parce qu'on nous invite chaque année. Après, on a eu la chance d'être invité en duo au départ, ensuite en quartet quand on a monté le quartet à Montmartin, qui est un quartet de fest-noz avec Ronan Pellen et Erwan Volant et Mathieu Hamon, en plus mon frère qui chante. En quintet, après, différentes formules. Et puis, c'est vrai que les organisateurs nous sont assez fidèles depuis une vingtaine d'années. Et voilà, ce sont aussi devenus des amis et quelque part on entretient une relation avec eux et voilà, on a la chance de venir régulièrement. On est évidemment sollicité dans pas mal d'endroits, mais une fête comme ça en plus en plein cœur de l'hiver qui draine autant de personnes dans le Morbihan, c'est quand même assez unique. Et voilà, on défend évidemment, il n'y a pas que les fest-noz, les concerts, il y a aussi des concours musicaux, il y a des interventions dans les écoles en amont. Il y a plein de choses autour de ça, donc tout ça, évidemment, on défend ça avec Yannick. Yeah.
là, je pense qu'on va approcher les 6 000 à peu près. On reste sur une ligne directrice. Ça fait 4 ans qu'on est à peu près sur le même nombre de publics. On ne peut pas dépasser parce que, à moins que la mairie de Pescop détruise tout et agrandisse les murs. Mais non, voilà, on ne veut pas non plus grandir plus que ça parce que le but, c'est de rester aussi à taille humaine, quoi. On ne veut pas que ce soit un festival au sens propre, c'est-à-dire où on paye son entrée, on s'attend à un certain service, on va faire la fête. Et on fait la fête, mais il y a aussi, c'est hyper important pour nous, les gens puissent venir en famille. Je ne pense pas qu'un événement puisse perdurer sans avoir une intergénérationnalité, quoi. Et on ne veut pas, par exemple, être spécifique sur un type de population. Donc on veut essayer de toucher le maximum de gens. Et c'est aussi... sans prétention, mais avec quand même des envies de faire découvrir aux gens l'idée qu'on a de la musique, de la culture et puis du partage qu'on a, c'est se rencontrer autour d'un verre, autour d'un concert et puis danser ensemble aussi. La danse bretonne, c'est la danse du doigt où il y a la chaîne, quoi. Et c'est quand même important. Sautez, sautez, marquez le vin.